situation quand même est extraordinairement compliquée pour les Ukrainiens. Et dans ce contexte, on va s'arrêter sur la tribune d'un historien américain spécialiste de la stratégie que vous avez décortiqué. Jade Partouche, vous nous rejoignez. C'est clair, d'après ce professeur, eh bien, il faudra envoyer des soldats. Et l'OTAN devra le faire, pourquoi ? Effectivement, en fait, toutes ces gesticulations, c'est ce qu'il explique autour de la dissuasion nucléaire, n'apporteront aucune victoire. Une seule chose changera la donne, l'envoi de troupes européennes. C'est Édouard Lutwak qui fait ce constat. Et quand ce genre d'homme fait ce genre de constat, on a plutôt tendance à tendre l'oreille. Il est américain, c'est l'un des spécialistes en géopolitique les plus connus au monde, l'un des experts les plus réputés en stratégie militaire. Et ce qu'il dit est très clair, ce n'est pas la stratégie de dissuasion nucléaire qui fera gagner cette guerre à Kiev. Kiev qui est dans une position extrêmement précaire, qui demande donc plus de matériel, plus d'armes, de meilleure qualité. Sauf qu'en vérité, ce n'est pas de ça dont elle a besoin, mais ce sont des hommes dont elle a besoin sur le terrain. Il est clair que ce qui contraint Kiev à battre en retraite, étape par étape, ce n'est pas un manque de puissance de feu, mais un manque de soldats. Et cette manne d'hommes, elle ne pourra la trouver qu'en Occident. Peu importe donc cette conscription dont on parle depuis plusieurs mois, ça ne changera rien. Au total, les forces armées ukrainiennes s'élèvent au maximum de leur capacité à 800 000 hommes pour 38 millions d'habitants. C'est quasiment rien en fait. Quand on compare, je vous ai mis un exemple à côté, Israël, 9 millions d'habitants, ils peuvent déployer 600 000 hommes. Pourquoi l'Ukraine peut difficilement faire mieux ? L'âge de sa population, elle est freinée par ça. Il y a plus d'enfants et de personnes âgées que de jeunes hommes de 19 à 35 ans. Donc c'est arithmétique. Pour gagner cette guerre, il faut des hommes et l'Ukraine n'en a pas. Ce qui signifie qu'à moins que la Russie décide seule de mettre fin à cette guerre, les Ukrainiens ne cesseront d'être repoussés. La Russie, dit-il, n'a même pas besoin d'envoyer ses meilleures troupes pour y parvenir. Simplement des soldats volontaires sous contrat, des bons salaires pourraient les attirer, des hommes bien évidemment qui sortent de prison, on en a déjà parlé. Comment aider l'Ukraine ? L'Europe doit envoyer des hommes, mais attention, pas des hommes pour combattre, mais pour remplacer les soldats ukrainiens occupés à faire la maintenance. Ils pourraient jouer un rôle essentiel en libérant leurs homologues ukrainiens pour les reconvertir dans des rôles de combat, soulager les Ukrainiens actuellement occupés à récupérer, à réparer du matériel endommagé et pourraient donc prendre en charge les parties techniques des programmes de formation existants pour les nouvelles recrues. On dit souvent, je parle sous votre contrôle général, mais que pour un homme qui combat, il faut quatre hommes derrière. Eh bien, ces quatre hommes-là pourraient être, selon Édouard Lutwak, justement des Européens ou des OTANais. Une décision capitale est donc en jeu pour les membres de l'OTAN, en particulier pour les plus peuplés. Donc, il parle de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Si l'Europe ne peut pas fournir suffisamment de troupes, la Russie l'emportera sur le champ de bataille. Reste donc la question des effectifs occidentaux. Il faut envisager les choses, dit-il, sur le temps plus long, comment ? Le retour du service militaire, pourquoi pas ? En tout cas, cette solution serait bien plus utile, selon lui, pour maintenir la paix que, je cite, l'illusion des armes apocalyptiques que personne, et bien heureusement, n'ose utiliser. Merci pour ce résumé de cette démonstration.